Café, Casa de Papel. C'est normal, je suis à Casablanca. Ça va ensemble, Casablanca, Casa de Papel, non? Salut tout le monde, c'est Nasactu et on va regarder une story de Abdel Soulax. Et après la story, je vous dirai mon avis. C'est de l'humour, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Café, Casa de Papel. C'est normal, je suis à Casablanca. Ça va ensemble, Casablanca, Casa de Papel, non? Mais franchement, je suis impressionné parce que tout le monde m'a reconnu dans les ruelles, dans les aéroports et dans les boulevards. Même dans l'ascenseur. Ah, ça fait super plaisir en tout cas. Wallah, ça me touche énormément. T'es allé ouf. Ça me donne le sourire en fait. Tu vois. Allez, tiens, mon frère. Casa de Papel. Casa de Papel et Casa de Blanca. Casa Par ici, de frère. Ah, je suis super. Ah ouais, les messages qu'ils m'envoyaient de Lacoste pour m'envoyer mon nouveau survêt à l'ancienne. 2013. Eh, c'est réel, frère. C'est quand j'allais à la piscine. Regarde. Fond d'écran. Ah, j'étais jeune, frère. J'avais même pas encore la trentaine. T'as vu, 2006, 2007, 2008, 2009, ça arrête à 2013. Ah, c'est vraiment réel, oh là. Je l'ai réparé ici. Ça fait super plaisir. Il y a tous mes anciens sons, mes anciens freestyles quand j'étais petit, mes anciennes photos quand j'étais petit. Il y a vraiment tout dedans. Il n'existe nulle part celui-là. N95, ça a 8 gigas. On appelle le téléphone Spider-Man. Quand tu mets un film, tu fais ça en fait. T'appuies sur lecture et tu regardes ton film comme ça là. T'as vu, c'est mode télé. Ça, c'est mode bigo. À la belle époque, frère. J'étais petit. Casa de Papel, Casa de Blanca. Partage. Donc voilà, c'était la story. Un peu courte cette story aujourd'hui. Eh ben, on a eu le droit à la Casa de Papel et on a eu le droit à son ancien bigo. Il a réussi à le réparer. Ah ouais, au bled, il te répare tout là-bas. Tu vas Darb el Lef, tu vas Darb el Lef, il te répare tout. Tout ce qui est possible et inimaginable. C'est obligé, il est parti à Darb el Lef là-bas. C'est comme un souk, mais t'as de tout. T'as des réparateurs d'électronique, d'informatique. Mais ça ressemble à un souk de l'extérieur. T'as de tout dedans. Ils vendent des montres, des bigots, des télés, de tout. On est loin des malls, des centres commerciaux, parce que c'est cher dans les centres commerciaux quand même. Au Maroc, c'est les centres commerciaux, c'est cher. C'est beau pour aller se balader, faire du lèche-vitrine. Mais souvent, les bonnes affaires, des fois, tu les trouves dans certains souks, des prix bas. Voilà, ouais, ça me rappelle ça, à Casablanca, on allait à Darb el Lef pour réparer tous les trucs cassés et tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire si c'est vrai ou pas, déjà, d'une part, et à mettre un pouce bleu, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.